thématique-là. On pourrait évoquer un sujet qui n'a quasiment jamais été traité. Drouet, d'une certaine manière, parcellaire en fonction des éléments qu'il y avait à l'époque. Et c'est à peu près tout qui existe. Il y a une étude par André Davy sur le marquis de Pontreville, qui était un Davy, mais il y a des erreurs en dedans. Drouet fait des erreurs, mais pas par volontaire, parce qu'en fait, il manquait d'éléments, et parfois il y avait un raccourci qui était erroné. Et donc il n'y a rien d'autre. Le reste, eh ben, ce sont des éléments à droite et à gauche. D'aucuns penseraient que du fait de la destruction des archives départementales à Saint-Lô en juin 1944, il n'y ait plus rien, pas du tout. Il n'y a plus de sources. Alors, dans le désordre, la série 1B des registres de l'échiquier aux archives de la Seine-Maritime, les manuscrits dont le noir, l'inventaire du chartier de Fermanville, qu'on connaît grâce à un document qui est dans le notariat de Saint-Pierre-Église en 1722, des documents venant du chartier de Bélanville, le site Imanis, le carteur de Montebourg permet d'avoir des documents très anciens. Les recherches Nobès ont trouvé celle de Montfaux, mais qui, on verra, est un peu erronée. Les registres de collation aux archives de la Manche, ce sont les nominations des curés par l'évêché, qui existent jusqu'en 1487. Les manuscrits Mangon du Houguet, qui était un érudit du XVIIe, hein, qui avait pris plein de copies de notes, des actes, dont certains ont disparu. Un dossier concernant la famille de Pirou qu'on trouve aux archives de la Manche et un autre qui est aux archives de la Seine-Maritime, du Calvados, que Guillaume a eu le plaisir de photographier. Les pouillés, ce sont les inventaires des bénéfices des églises. Et pour la Manche, pour l'évêché de Coutances, le plus ancien date de 1278, le Politicum Diocesis Constantinensis. L'inventaire des anciennes archives de la Manche, dit en 44, mais il y a un inventaire imprimé qui existe toujours. Les notes de l'abbé Hulmel, l'abbé dit du 19e. Les dossiers d'Osier aux archives nationales. Les archives de la Bastille, on verra plus tard pourquoi. Également, plus localement, le registre notario et le registre d'état civil, plutôt de catholicité des communes concernées. Alors, le plan Fermanville est où ? Oui, dans le fond. Le plan Fermanville. Ok, ça. Désolé, j'ai oublié un élément. Voilà. Je vais m'accrocher un peu. Oui, comme ça. Le truc du dessous, il se pousse aussi. On coupera au montage, on t'inquiète. Donc voilà, bien. Ça, c'était bon, comme ça, c'était à Fermanville actuellement. À l'époque médiévale, toute cette zone-là, c'est du bois, ici, tout ça, jusqu'à là. Et donc, le territoire Fermanville, à l'origine, ça va être cette partie-là, sachant qu'il y a Fermanville et Intéville, on en parlera après, il y a deux choses différentes. Mais en gros, il y a au moins la grosse moitié de Fermanville actuelle, c'est du bois, c'est des landes, c'est des marécages, donc c'est pas occupé. Donc voilà, alors les deux
premier seigneur qu'on connaît grâce à la toponymie, donc Thomasville et Intéville, qui sait, qui connaît les noms des deux premiers tenants du territoire à l'époque scandinave. Qui a une idée? En un mot, Thomasville et Intéville, qui est l'origine de Thomasville et Intéville. Qu'est-ce qu'il sait ici? Murti, vas-y. C'est bien que tu sais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en ville? Il y a un TV, tu veux quoi, un TV? L'origine de un TV, ça veut dire quoi, un TV? Bah, un TV, c'est. Ville, c'est terrain. Ouais, domaine, oui. Et un T, c'est le diminutif d'un nom viking. Oui, Ostag, oui. Et femme en ville? Bah, oui. C'est le Fermont. Voilà, Ferman. Et ville, domaine. C'est Kuchstein, et donc ville là, qui va venir après, on va prendre la forme de Hustinville plus tard, qui va donner Intéville. Et faire envie de pareil, ça va être face à Farman. Farman, villa. Et donc on peut estimer que Eustein et Farman, ce sont les deux premiers seigneurs, mais que le mot n'est pas approprié, de Thomasville. Alors, les premières mentions qu'on ait réellement de seigneurs, c'est du 12e. Alors, jusqu'au début 14e, ce n'est pas suivi, ce sont des points, et c'est, tout ça, c'est à contrôler. On a une succession d'un Guerlain de Thomasville en 1159. Et à la fin 12e, on a Guillaume d'Intéville et Corbin de Thomasville. Le premier document que vous avez, tout premier, j'ai souligné en haut, parce que c'est du latin, hein. Donc ça vient du cathare de Montebourg. On a Will Livre, c'est William Guillemus de Hustinvilla, deuxième ligne, Guillaume d'Intéville. Le moulin Tébile, on trouve une 3, on trouve Villa Hustinvilla, une 5. Et en bas, on a Corbin de Thomasville. Donc Corbin de Thomasville, qui étaient les seigneurs du lieu. Le territoire donc, de Thomasville faisait partie de l'honneur de Néou, lui-même démembré de l'honneur de Saint-Sauveur. Un honneur, c'est une baronnie, quoi. Et tout ça vient de fiefs plus anciens, issus de l'époque carolingienne et de la suite. Et les terrains ont été, viennent de chefs scandinaves. Donc voilà. Donc, alors, ce Guillaume d'Intéville qu'on a fin 12e, c'est probablement déjà un de Beaumont. De Beaumont, voilà. Les Beaumont, donc on a la première trace en 1278 dans le Pouillé. Le texte dit Ecclésia de. Alors le Pouillé, donc la liste des biens des évêchés, des églises. Ecclésia de Thomasville, patronus Guillemus de Bellomonte. Donc église de Thomasville, patron Guillaume Beaumont. Patron, ça veut dire celui qui a le droit de nommer à la cure. Et ça, parfois c'est ton des abbayes, parfois c'est le roi, le duc. L'intérêt de ce soit le seigneur qui nomme la cure, c'est que pendant très longtemps, au moins jusqu'au XVIe, le curé est de la famille proche du seigneur. Il y a des endroits où on a trouvé la trace, le lien. Pour d'autres, on n'a pas trouvé, mais quand on a le nom du curé, on a des doutes sur le nom de l'épouse du seigneur. On a aussi une mention en 1289 où le baron d'Orblanc de Brucourt est seigneur Thomasville. Tout ça donc, en lien avec le nord de Néou et le nord ensuite le nord de Saint-Sauveur. Trace suivante, en 1320-1325, on a un autre Pouillé qui parle du seigneur de Beaumont comme patron de l'église. Donc c'est probablement déjà ce qu'il nous voit, ici, sans preuve.
Alors, à partir de là, on commence à avoir des éléments plus précis. On sait que la famille, le chef de Fermonville, enfin l'intendant plutôt, passe des Beaumont au Pérou par le mariage de la fille du seigneur de Beaumont avec Guillaume de Beaumont avec Olivier de Pérou. Donc il s'appelle Perronel. Le document numéro 2, voilà, donc en jaune. Alors, là c'est en français. Hein. Olivier de, première ligne après, Pirou, écuyer, et de Perronel de Beaumont, sa femme, fille, et Ouar aîné, héritière aînée, de feu Guillaume de Beaumont. Donc là, on est vraiment, on est ici. Et on sait qu'en 336, Guy de Beaumont est déjà décédé, et que sa fille avait épousé un de Pirou, qui de ce fait devient seigneur. Les générations suivantes, ici. Alors, dans ces périodes-là, on a très peu de documents. Hein. Il y a la recherche de noblesse de Montfaux dit Guillaume, puis Jean, puis Guillaume, puis Guillaume. Or, à partir des éléments trouvés, c'est pas possible. Il y a potentiellement une inversion entre le Jean et Guillaume. Sur ce Jean du Pérou, on a quasiment rien comme élément, sauf cette recherche de noblesse. Donc on a trois Guillaume. Le premier Guillaume, on sait qu'il est décédé fin du XIVe, parce que le document numéro 3, voilà, qui est en jaune, donc on a Guillaume, allez, c'est écrit Guy, hein, Guy de Pérou, écuyer, sous âge, ça veut dire qu'il est mineur. Donc il a moins de 13 ans. Sous son conduit, c'est-à-dire sous son conduit, sous sa tutelle, fils et héritier de feu Guillaume de Pirou, jadis écuyer son père. Donc, on sait qu'il est mineur, mais en âge quand même d'agir, donc, grosso modo, de 10-12 ans. Ça date de 395, donc on peut estimer que ce. Guillaume le deuxième est né vers 1385 et son père est mort un petit peu avant 1395. Donc à cette époque-là, il y a deux choses importantes pour la Normandie, Val de Serre. Quels sont les deux éléments les plus importants du Moyen-Âge qui se déroulent dans ces années entre 1350 et 1400, du revenu entre 1340 et 1348. À partir de 1348, ce sont les deux faits importants pour la vie de Cotentin. Il y a deux. La guerre de 100 ans. Oui, et encore plus important. Plus marquant au niveau économique, sociologique, démographique, à tout niveau. La peste noire. La peste noire. Tout à fait. Parce qu'il faut estimer qu'en l'espace de la première vague, c'est aussi plus Covid, hein. Rien à voir, hein. Et pas au même niveau. En l'espace de quelques mois, sur les endroits, entre un tiers et deux tiers de la population, terminé. Hein. Donc ça a marqué durablement le. Et ça a aussi une incidence sociale, parce que les terres ne sont pas cultivées, donc les paysans se louent plus cher, il y a tout un tas de conséquences. Malheureusement, on a très peu d'éléments archivistiques sur cette époque-là, c'est quand même assez ancien. Alors, ce Guillaume, je dirais 2, on a des traces de lui en 1426, 1428. Et son fils s'appelle aussi Guillaume. À partir de ce Guillaume, la succession est assurée. Mais après, il n'y a plus de problème. Alors, ce premier, donc le Guillaume numéro 3. On sait qu'il est mort entre 1463 et 1474. Le document numéro 4. Alors, même chose, on sait qu'en 1474, le Jean de Pirou, ici, il est encore mineur et que son père est décédé. Parce que, même chose, donc le document numéro 4, donc Jean de Pirou, prêtre. Alors, lui, c'est un oncle. Et Jean de Pérou, fils Guillaume,
pour son conduit, sous son conduit. Ça veut dire qu'à cette époque-là, bon, je me répète, Guillaume de Pérou est décédé et que son fils Jean est mineur. Et donc c'est son oncle qui gère cette affaire. Donc ce Jean de Pérou, donc ici, là on connaît sa année de naissance parce qu'il y a un document de 1501 qui est dans le manuscrit dans le noir qui dit qu'il a 40 ans en 1501. Donc par soustraction, alors c'est à un an près ou deux ans près, mais grosso modo, il est né vers 1461. Et il a eu deux épouses. La première, c'est Mademoiselle Fauque. Alors, d'une part, on a un document de 1490 de la série 1B des archives de la Seine maritime qui en parle. Et ce qui le confirme, c'est qu'en 1495, il nomme Guillaume Fauque comme curé de Marmanville, suite au décès de Elimor Drac, qui était le précédent. Et donc, le document numéro 5, voilà, donc c'est en jaune, alors sur le latin, hein. Alors, Joannus de Pérou, donc Joan de Pérou, Scutifère, donc chevalier, Dominus temporalis de Fermanvilla, seigneur temporel de Fermanville, et donc la mine, là, Parochiale Sancti Martini Dicti Loci, ou Loci, je sais pas comment on dit, de Fermanvilla. Donc, l'église paroissiale Saint-Martin de Fermanville. Et après, Vacantem Père Mortem, Magister Elie Mordrac, vacant par la mort du maître Elie Mordrac. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que donc, donc là, il s'est marié plein fois avec un Faouk, mais comme le curé précédent, c'est un Mordrac, et on sait qu'il est en place depuis. Le Mordrac, il est en poste au moins depuis 1458, il est plausible que le Guillaume-Pérou-Russis a été marié avec une Mordrac. Ou tout au moins c'est la famille proche. Mais l'hypothèse, c'est qu'il a été marié avec une Mordrac. Alors donc sur ce Jean Pérou, on a une trace aussi dans l'inventaire du chantier de Fermanville. En 1504, je ne l'ai pas ici, hein. Le contrat passé devant Jacques Coupé et Robert Galopin, Tabellion, le 3 août 1504, par lequel les différents d'entre eux, les puissants seigneurs Arthur de Vulcain et l'homme Jean de Pérou, toucheront à leur tour possession de la moitié d'une pièce de terre nommée les Morts du Beau. Donc ce document existait dans Chartier Fermanville, malheureusement, il n'y a plus. On le retrouve en 1505, où il nomme Guillaume Leroux comme curé de Fermanville, suite au décès de Guillaume Faouk. Et donc là, vous avez le document 6, pareil. Donc, on se en jaune, hein, Ecclesia Sancti Martini de Fermanvilla, Vacantem Per Mortem, Condam Venerabilis, Viri Magistri, Guillemi Faouk, Utini Curati. Église de Saint-Martin de Fermanville, vacant par la mort de feu vénérable homme maître Guillaume Faouk, ancien curé. Et en dessous, en bas du texte, ad presentationem nobilis veri Joannis de Pérou, donc il présente Guillaume. Il m'a dit que c'est Jean de Pérou qui présente le Seigneur. Alors, donc, ensuite, le suivant, c'est Olivier de Pérou, dont on a le mariage. Donc là, vous avez un contexte de la technique numéro 7, où il y a un extrait qui parle de son contrat de mariage, donc pour moi c'est un peu plus lisible. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, Olivier de Pérou, seigneur de Saint-Hilaire, fils aîné de noble homme Jean de Pérou, sieur de Fermanville, et un peu plus bas, et dame Jeanne de la Luzerne, fille de défunt Jacques de la Luzerne. Donc là, on a le mariage.
Je voulais dire que le jour du Pérou, j'étais marié une première fois avec une Faouk, c'est marié une deuxième fois avec Catherine de Lazardière, qui est la mère du seigneur suivant. Et donc, au lieu du Pérou, c'est marié donc avec Jeanne de la Luzerne. Alors, pour l'instant, c'est pas très. Comment dire. Il n'y a pas d'anecdote, ça va venir, hein, l'anecdote. Alors, donc, voilà. Alors, ensuite, donc. Et on sait que. Ce Jean du Pio, celui-ci. Donc sur l'île de Pérou, on le trace donc, jusqu'en 1566, époque où il fait le fief dans le bois de Fermentbreuil, il donne une partie des terres à un particulier, en cas de défrichement. Alors, en 1559, la seigneurie de la châtellenie de Gonneville est récupérée par les Pirou, parce que la veuve du seigneur en fait don à Louis de Pirou, en 1559. Donc, à ce moment-là, Fermentville et Gonneville, c'est la même seigneurie. Alors, donc, le Guillaume suivant, ici, celui-ci, donc. Et se marie avec une Jeanne Le Marquetel. Je vais dire aussi les Pirou, à l'origine, étaient seigneurs de Montpinchon et d'Orlande. Et succède avec le Pirou Jean de Pirou, qui meurt sans héritier. Il a trois sœurs, dont une. Va hériter de la partie de Fermentville. C'est Catherine Pirou qui est mariée à Jacob de Baroque. Et c'est à ce moment-là que les chartes des réunies de Gonneville se séparent. C'est ce qu'on a dans la vallée ici, le bois de Fermentville et le bois de Gonneville. Et donc, vous avez un plan qui est. Voilà, après, voilà. Et là, alors, la partie qui est en vert ici. Parce qu'on a le bois de Fermentville et juste à côté, il y a la partie qui est en violet. Là, ce sont les parcelles qui parlent le nom de Bois de Fermentville et Bois de Gonneville. Et on fait attention à quel tu précises, on peut trouver les chemins qui vont limite entre les deux parties. Alors, on va faire un focus sur les terres de la seigneurie. La seigneurie avait de domaines fiefés et non fiefés. Non fiefé, on appelle aussi la réserve. Le domaine fiefé est loué, comme on l'a dit. Non fiefé, c'est exploité en direct par le seigneur. Alors, à partir des éléments du classe napoléonien et de quelques renseignements antérieurs, on peut avoir l'estimation de l'état de la seigneurie gérée au 18e. En gros, vraiment, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus. En gros, il ne reste que les terres les plus intéressantes, de manière économique, d'une part les terres autour des manoirs, les marais de Tocbeu, il y avait. Qui est oui, ici des salines. La plage dite de la Mondrée et les terrains derrière jusqu'à la vallée des Moulins ici. Sachant aussi c'est là aussi des salines ici, parce que la Mondrée, en fait, c'est là. Hein. La Mondrée, c'est pas ici, c'est là. Ben, le port, un terrain économique aussi. Et puis les bois. Les anciens moulins. Les moulins anciens de la seigneurie sont en dedans, donc le petit moulin Cardin, le moulin Cardin dit le petit moulin ici, le grand moulin à côté, et le moulin Quincampoix là, les trois moulins qu'on a depuis le Moyen-Âge. Et ce sujet a fait l'objet d'articles dans notre revue, que j'encourage à lire. J'ai quelque chose. Donc, on ne tient pas sa famille de Baroque, mais celui-ci donc, n'a pas de garçon, il n'a qu'une fille, il va se marier à un David. Alors, les David sont seigneurs de Sorteville et Gourbéville. C'est important de rappeler parce que parfois, on aura plus tard un Pierre David qui va se faire appeler le sieur de Sorteville. Mais c'est le même.
Donc on arrive à Pierre Davy. Là-dessus, il y a à dire. Pierre Davy, donc qui est ici. Personnage très, très riche, mais façon de faire, un peu plus que limite. Très riche parce que le port de Fermanville, le premier port, parmi celui qui l'a fait. Auparavant, il y avait eu. En 1641, ça s'est relaté dans des documents, il y a trois documents de notariat de Saint-Pierre-Église, et ça fait l'objet d'un article de bulletin municipal. Il y a un navire qui va s'échouer sur les rochers. Et donc, c'est un bateau qui faisait du commerce depuis Rouen jusqu'au Pays Basque. Parce que le bateau s'appelle la Marie de Saint-Jean-de-Luz. Il y a donc été indiqué, navire nommé la Marie de Saint-Jean-de-Luz, à présent périclité en la côte de Fermanville. Alors on ne sait pas trop où, à quel endroit, parce que ça se passe en septembre. Sans doute une tempête qui va venir faire s'écraser le bateau sur la côte, ou bien des pirates, parce qu'il y en avait, on trouve même des Laronches à l'époque, faisaient du piratage, c'est pas sûr non plus, on ne sait pas trop. Mais il n'y a pas de port à l'époque. Alors, le bateau venait de Rouen parce qu'il est assuré, parce que les marchandises sont assurées à Rouen. Donc, il y a quelqu'un qui vient de Rouen, qui est diligenté par les marchands de Rouen pour venir sur place. Alors, on a le nom du commandant des bateaux, qui s'appelle Pierre d'Asparos. Qui est maître bourgeois capitaine de Saint-Jean-de-Luz. On a des noms de gens qui étaient dessus, Martico d'Arrache, qui est un matelot, toponyme du Pays Basque, Pierre de Jamais, le chirurgien, Joanny de Bord, le contremaître. Alors, on a l'indication de ce qu'il y avait dans le bateau, huile de baleine, cordage, linge, arbre, habits, coffre, huile et généralement tout autre meuble de quelque nature qu'il soit provenant du navire. Il se peut que le bateau soit un baleinier, mais plus probablement un navire de commerce. Et donc, c'est Pierre Davy qui va organiser la récupération de toutes les marchandises pour éviter que les gens du coin aillent piller. Un droit marqué, pouvoir, puissance, autorité, commission et mandement spécial pour, en leur nom, se transporter en tout lieu et endroit pour recouvrer, saisir et arrêter et charger les marchandises de quelque sorte, quel que soit le lieu qu'ils se trouveront. Mais bien évidemment, le Seigneur Fermanville est d'accord à condition qu'on paye. Et parmi les assureurs du navire, on trouve des marchands importants de Rouen, entre autres Lucas Fermanel, échevin de la ville de Rouen, qui est à l'origine de la compagnie des Indes. Au nom du pillage, toujours un extrait du texte, Robert Lefrançois a pouvoir d'aller en justice pour chacune des marchandises à eux prises et dérobées, soit de nuit ou de jour. Faire des suites et poursuites au registre est nécessaire pour en avoir la connaissance et restitution, soit par monitoire ou autrement poursuite des plaintes devant les sieurs juges de l'amirauté, pour raison des larcins ci-dessus et de ceux qui pourraient s'y commettre, la poursuite est restituée de toute partie des choses mal prises et dérobées. Donc c'est clair, les gens du coin ont été servir. Et donc, Pierre David va demander la modique somme de 3500 livres pour les frais, nourriture d'hommes, armois et autres emplois qu'il a faits pour sauver les marchandises de tout ce qu'il a pu sauver. Donc voilà, donc, alors, c'est peut-être suite à ça qu'il va, demander au roi l'autorisation de faire un port ambulant. C'est en quelle année ça, le naufrage ? 41. Ces documents se trouvent dans le rocher notario de Saint-Pierre. Donc, en 1654, Pierre David fait une requête au roi qui était, en 1654,
qui est roi en 654. 14. 14. Donc, alors, okay. Demandons de faire construire à ses frais un havre pour Port Caplévi, et demandons au roi pour l'indemniser de ses frais, de l'autoriser à percevoir des droits sur les vaisseaux qui aborderont, sur les barques corvettes jusqu'à 30 tonneaux de nuit par an, s'ils appartiennent aux habitants du port, trafiquant de port à port. Sur tous les autres vaisseaux français entrant au port, sur les vaisseaux à plein qui séjourneront plus de 24 heures, un seul par tonneau. Et s'ils y chargent, déchargent marchandises de France portées en France de seuls par tonneau, s'ils y chargent pour pays étrangers ou déchargent marchandises étrangères à raison de deux seuls signés, et sur les navires étrangers, le double des Français. Et donc, ces lettres patentes ont été accordées comme chose avantageuse pour se mettre à l'abri des pirates et des tempêtes, ainsi que pour le commerce. Encore une fois, on fait mention du piratage, donc ce n'est pas anodin. Alors, ce port est construit sans doute à la fin du siècle, parce qu'en 1670, il est indiqué que c'est une rade foraine où il y a le bon mouillage, donc c'est qu'une rade. Mais au 1818e, l'ingénieur de Caux signale qu'il y a eu un port, mais qui a été détruit par une tempête. Donc il y a eu un port qui a été utilisé. Grosso modo, 1780, 1720, 1730. Et donc, il faut attendre après 1785 pour avoir le nouveau port actuel. Oui, monsieur Marchand. Le port, du coup, il est en bois? Ah non, c'est en pierre. Non, 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 parce que la mention dit. Alors, à l'ouest de ce cap, le cap, c'est la pointe, hein, on trouve un petit port où entraient autrefois de fortes barques qui étaient à l'abri d'une digue de pierre sèche faite par les seigneurs de lieu, ne subsistant plus aujourd'hui. De moyens bateaux ont à peine à s'y mettre à couvert. Donc, une digue de pierre sèche, mais une digue de pierre, qui est détruite par une tempête. D'ailleurs, le. Oui. C'était pas ce livre? Ben oui, sans doute, m'a construit. Mais... D'ailleurs, le port actuel qui est de 1785, le premier port a été détruit par une tempête, hein, vers 1806, je crois, de là. De la même façon, ça a été détruit. Donc, il y a eu un port, et c'est du fait de Pierre David. C'est lui aussi qui a fait reconstruire l'église, sur ses fondations en 1658. Alors, on n'a que le texte concernant... on n'a qu'une partie du texte, on n'a pas tout le corps de métier. Ce qu'on sait aussi, c'est que le curé était Jacques Leclerc. Le clocher d'origine n'était pas... À côté, il était au-dessus, comme le prouve. Voilà, ici. Cette carte-là prouve ici que le clocher était à l'origine sur l'église. Oui. Mais du coup, comment le clocher, ici, il était, comme il a fait reconstruire ben, ils ont fait démolir l'église, et ils ont tout fait, mais le clocher, le mettre dessus comme c'était avant, il était mis sur la colline. Alors certains disent à cause d'un manque d'argent, c'est possible, mais il n'y a aucune preuve. Mais c'est possible. Vas-y. Alors, t'es moi, toi ici. Alors, donc, maintenant, alors, ce monsieur, ce Pierre David est surtout connu pour un événement, je dirais, carré du fait d'hiver. Donc il était à Paris. Riche, proche des milieux des ministres du roi. Et donc, il était marié d'abord à une dame de Gigot de Belfond, qui décède peut-être qu'on ne connaît pas, et il va se remarier en 1664 à Paris avec une certaine Marianne Poulain. Et avant de marier avec cette dame-là, elle était mariée. Et son mari a été, comme par hasard, tué d'un coup de poignard près de la pompe de la Samaritaine, c'est pas le bâtiment actuel. Hein. Il a été assassiné à Paris, et comme par hasard, c'était le mari de la maîtresse de Pierre David. Du coup, il a eu quelques soucis, parce que directement à la Bastille, il a été embastillé et libéré. Soi-disant faute de preuves, alors que quand même, comme on dit, ça sentait mauvais ces sous-là. Mais très riche et avec des connaissances haut classées. Donc, je reprends mon article d'il y a 2 ans. Alors, donc,
Alors, donc, il a été poignardé mortellement dans la nuit du 17 au 18 avril 1662 sur le pont Neuf. Il mourut de ses blessures. Je parle du mari de sa maîtresse. Hein. Il mourut de ses blessures le dimanche suivant. Quoique le pont Neuf fût alors fréquenté par les bretteurs et les voleurs, et que les assassins n'y fussent pas rares, celui-ci commis en plein jour sur un homme dont la pauvreté était connue, parut singulier. On soupçonna sa femme et son amant notoire, le marquis de Sorteville, Pierre David, d'y être pour quelque chose. Donc une information criminelle fut ouverte au Châtelet. Alors c'est là qu'on apprit que deux mois avant son assassinat, Magnon, donc celui qui a été assassiné, s'était rendu à Rouen avec le marquis de Sorteville, s'était plaint d'avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement. Le marquis lui aurait donné à boire du vin frelaté. Curieusement, Madame Magnon, donc la future Madame David, se désista de la plainte en assassinat. Et épousa donc, le 17 janvier 1664, dans l'église Saint-André des Arts à Paris, Pierre David. Ce document, on retrouve parce que ce registre paroissial de Paris, c'est un des rares qui existe encore, et on a encore la trace de ce mariage. Malgré tout, Marianne Poulain fut mise en arrestation par un membre du roi le 13 janvier 1665, ainsi que son nouvel époux. Donc elle est remise en liberté faute de preuves suffisantes. Pierre David entra à la Bastille sur ordre du 10 janvier 1665 pour assassinat. Quelques mois plus tard, le roi de XIV le fit changer de prison. En effet, le gouverneur de la Bastille a appris à Colbert que le vient crier sur le bastion Saint-Antoine et sur le rempart, n'ayant pu éviter que toujours un homme à cheval crie à M. de Sorteville de dessus la contrescarpe qui ne reconnut pas l'innocent criminel. J'ai des gens dans les fossés nuit et jour, cachés d'un côté, et ai fait une porte de côté de la porte Saint-Antoine, où j'en mets encore, et je n'aurai pas de repos que je vais attraper quelqu'un. Le roi fait écrire, ayant été ordonné par arrêt de la cour du Parlement de Paris le 18 juin dernier, que sur le Sorteville, qui est détenu prisonnier au château de la Bastille, sera, selon bon plaisir, transféré du château dans les prisons ordinaires. Et donc, là, on a le document de transfert de Pierre David. Je sais pas si je vais lire là, parce que l'écriture est assez lisible. Hein. Donc, le sieur de Sorteville, pourtant Pierre David, hein, c'est dans la ferme d'une seule personne. Hein. Le document numéro 8. Donc, lui, notre document sorti le 25 juillet 1665 pour être transféré aux prisons de Fort-l'Évêque, hors du 22 juillet 1665 pour le transfert à la conciergerie. La conciergerie, où sera emprisonné qui plus tard ? Pierre David. Non, plus tard. Oui, c'est. Donc finalement, il va être. Alors, donc il va avoir des interrogatoires. On apprend qu'il mettait sur son carrosse et ses chevaux dans la maison de Magnon, donc le gars qui l'a assassiné, et qu'il fit biffer ses armes en selle de feu sa femme sur son véhicule pour mettre les lettres MP, qui sont les noms de la femme de Magnon. Donc déjà avant, il mettait l'initiale de sa maîtresse, la peut-être encore mariée, sur son carrosse. Il le payait 200 livres par an et prêtait son carrosse. Donc après, il y a tout un dialogue, je ne vais pas vous le lire. Mais en gros, ils vont nier, et finalement, ils vont être acquittés faute de preuves. Ils vont être acquittés surtout grâce à l'argent et les connaissances. Donc ce monsieur Pierre David, oui, c'est un personnage très riche, mais un peu douteux quand même, il faut dire. Et donc, il meurt, une date inconnue, mais sans doute entre 1673 et 1674, quelque chose comme ça, à peu près. Alors, après sa mort, donc, Marianne Poulain se marie avec le seigneur de Libreville. On a un inventaire des biens de la vaisselle du couple, c'est en or, en argent, enfin c'est le grand luxe. Et donc, la susdite Marianne Poulain va mettre aux enchères la seigneurie. Et on l'a grâce à un acte du chartier de Bélanville. Le document numéro 9, c'est la fin du document.
c'est la mise aux enchères, les augmentations qui l'enchérissent. Donc, et c'est un Leclerc qui est le plus enchérisseur, le vanille de Guy Leclerc. Pour Leclerc, 1800 livres, donc 1800 livres. Mais la synergie comme reste à la famille, parce que par le principe du retrait lignagé, c'est-à-dire l'héritier peut reprendre la terre même s'il a été vendu. Donc finalement, ça revient dans la famille. Et ça va échoir à Charles d'Aigle premier temps, après un petit essai à son frère Charles-Antoine. Voilà. Alors, et après l'essai de Charles-Antoine en 1721, il y a un inventaire complet qui est fait de la seigneurie et surtout des documents, ce qui va permettre d'avoir, ça fait 60 pages, on a tout un tas de résumé des pièces qui sont devant Chartrier. C'est grâce à ça qu'on a plein d'enseignements qui vont jusqu'au 14e. Et donc, le document numéro 10, c'est le début de l'inventaire, la fin d'essai. Donc, l'an 1722, le mardi, 5e jour de mai. Donc, là, c'est le début d'un document qui fait encore 60 pages. Donc, là, toute la famille est citée, parce que les enfants sont mineurs, donc c'est pour le partage. Alors, à la suite, donc, ce sont les enfants de Charles David qui vont succéder tour à tour. Donc, Bondy David, Louis-Antoine, Charles Bernardin, et à sa mort, ça va être l'époux de leur sœur, et ça passe la famille Avis. La famille Avis qui est originaire de Turqueville. Reste les derniers des avis, ça va deux générations. Jacques Louis Avis, qui va seigneur pendant 4 ans, et Jacques-Marie Avis, qui est le deuxième personnage intéressant, qui a arrêté le dernier seigneur de Tramanville, mais également le premier maire. Comme le prouve ce document, le dernier document, c'est un extrait du registre de libération de Saint-Pierre-Église, où tous les maires du canton se retrouvent, et donc on a la marque Avis Tramanville maire. C'est la seule preuve qu'on ait qu'il a été maire de la commune. Évidemment, pas longtemps, parce qu'après 1792, il y a des soucis. Il y a des soucis. Alors là, on n'a pas de document sur Tramanville, il n'y a plus de registre, où les a grâce à Drouet. Sinon, on trouve des éléments dans la recherche de Coqueville ou de Saint-Pierre. Et surtout à Coqueville, parce qu'il avait quelques biens à Coqueville en bordure ouest de Coqueville. Donc là, le 13 octobre 1793, le conseil général de la commune de Coqueville a arrêté qu'il sera demandé à chaque avis si devant de faire en ville. Sinon, c'est-à-dire qu'il n'y est plus, parce que la routine n'est plus trop rejetée, de justifier dans une quinzaine les titres de propriété de la pièce de la Névillais, sur un terrain sous Coqueville, des Sourdins, la langue du Berdy, à défaut prétend, conformément à la loi, se mettre en possession. Le 19 pluviose en 2, c'est quoi pluviose? Ça veut dire pluviose. Pluviose, c'est quoi pluviose? Non, mais c'est quoi? C'est un bois. Le plus beau, c'est en février. Alors, le petit détail, c'est écrit Farmanville, c'est pas écrit Farmanville. À quel endroit? Bah, Avis de Farmanville. Oui, il est écrit Dakar.
Il a les miens à art, mais c'est sa signature. C'est sa signature, son écriture, ça. Ouais. Son écriture. Donc, Ludicati, deuxième année, week-end, le conseil général de la commune, également assemblée, a nommé pour faire les poursuites nécessaires concernant les terres réclamées par les citoyens de la commune, lesquelles ont été usurpées par le site de vente de Fernandville. Donc, on estime que les terres qui appartenaient à la seigneurie sous Covid ont été usurpées. Il n'y a pas de document sur Fernandville, mais a priori, il y a cette même chose. On sait également, grâce à Touwe, que le 5 Ventose en 2, les titres féodaux ont été brûlés au pied de l'arbre de la liberté. Ensuite, en 1994, il doit verser une contribution servant à verser des secours aux parents des volontaires de la patrie, depuis que la patrie est en danger. Sur Coupeville, on lui réclame 365 livres. Ensuite, il est déclaré suspect, il essaie de s'opposer sur ses meubles, et il est embarqué dans la fournée qui lui arrivait à Paris pour se faire réduire. Et il est sauvé parce que la Robespierre est tombée un peu avant. Comme ex-noble, ex-seigneur de Fernandville, y demeurant ancien lieutenant d'artillerie, père et frère d'immigrés. Alors, père d'immigrés parce que son fils, qui s'appelle, je sais pas son nom là, son fils, Louis Casimir, je crois. Ouais, lui était parti en Angleterre. Alors, par la suite, il a été mouillé dans les affaires de chouannerie, chose que Drouet glorifie. Et donc là s'arrête l'histoire de la seigneurie de Fernandville. Maintenant, oui, il y a des questions. Monsieur le Marchand. Là, 350 livres. Ah, qu'est-ce qu'on ça fait aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est beaucoup, mais je ne sais pas si vous avez une idée, non? Il y a une question de rapport avec le. Ah oui, mais au moment de la Révolution, j'ai aucune idée que ça peut valoir. Aucune idée. Ça a été converti en francs. Oui, alors là, je sais pas. Non, genre, mettons un nombre de jours de travail, comme ça. Oui, c'est ça, il faudrait calculer par rapport à ça. C'est une bonne question, mais je ne sais point. Ben, si tu vois que la seigneurie a été vendue à 1800 livres, ouais. Ça donne un ordre d'idée quand même. Mais c'est pas même époque, hein. c'est après. Hein. Oui, mais avec le décalage. C'est le décalage. Je voulais dire aussi qu'il y a un Guillaume qui a été otage en 1362 suite à la défaite de Poitiers. On rachète aux Anglais le fort de. À côté de Barneville, je ne sais plus le nom, Graffard, je crois. Et pour garantir le paiement, il y a plusieurs personnes qui sont mises en otage et le seigneur Fernandville de Guillaume, donc en 1362. Celui-là a été mis en otage. Combien 1362 ou 61. Observez, un an après. J'ai regardé 350 livres en 1790, ça fait 6 000 euros. Vous savez rien par rapport à ça. J'espère avoir oublié. J'ai sans doute oublié les choses. Hein. C'est inévitable. J'ai une question. Oui. Sur les différentes familles, est-ce qu'on sait lesquelles étaient résidentes au moins une partie de l'année? Sur les différentes familles qui sont succédées David n'est pas toujours là. Les avis, ils sont pas toujours là, mais il y a comme des actes qui sont faits ici, donc ils sont pas toujours là, mais ils sont résidents tout le temps. Oui. Mais t'as mis combien de temps à faire cette conférence? Il y avait des bribes à prendre, des bribes, puis des rajouts, et puis des sujets qui sont encore en réflexion. Là, c'est la situation aujourd'hui, c'est que dans 8 jours, ça sera du neuf, que dans un an, ça sera encore pareil. Voilà, voilà. Oui. Je voulais savoir où est-ce que habitaient ces seigneurs. Alors, il y a le mot manoir. C'est un Thiville, pas lui, c'est un manoir. Alors, c'est ça, je vous c'est un Thiville. C'est le manoir d'un Thiville. Oui, c'est la propriété des seigneurs. De alors, sachant, concernant un Thiville, une petite remarque aussi, je peux rajouter. Il faut voir qu'il est, alors, que ce soit la forme ou bien le nom, c'est la Coninville-Cortaine, ça fait carolingien.
c'est carolingien, donc il n'y a aucune trace gallo-romaine ici, donc il n'y a probablement rien avant. Et on est sur un chemin ancien, parce que dans un morceau qui est là, et là qu'on voit les limites parcellaires, on voit bien que ça part ici, ça fait ça, et après ça poursuit ici, et on va jusqu'au Toudou. Et en fait, le manoir est construit sur un axe ancien. Finalement, il ne va pas construire le château en plein dans les champs, mais c'était un chemin avant. Je voulais poser une autre question aussi. Au début, je vois les Guillaume de Beaumont. Oui. Je me pose une question, parce que dans le Val-de-Serre, à ces époques-là, jusqu'au XVe siècle, il y a beaucoup de Beaumont. Et il y a les Jalots qui sont sur une ville, ou Dugoville, je ne sais plus, à cette époque-là. Et ils deviennent seigneurs de Beaumont dans la Hague. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces Beaumont-là et qui aurait apporté le nom de Beaumont-Hague de... Voilà. C'est pas c'est possible, s'il y a, c'est possible. Non, mais j'étais au cas où... Je ne sais pas. Il y a des pistes qui disent qu'effectivement, la seigneurie de Beaumont et la seigneurie de Fermanville étaient liées au niveau de l'apparition, effectivement. Parce que, mais on n'a pas les preuves complètes pour l'instant. Et puis pour Beaumont, on n'a pas l'histoire ancienne non plus. Voilà. C'est d'une piste, c'est tout. Oui. Ça, quand même. Parce que le. Non, ce Guy Beaumont avait une sœur qui était marié avec le seigneur de Bretteville. Parce qu'on a une charte, on a la carta Emma de Bretteville, la charte d'Emma de Bretteville. Donc il y avait un lien peut-être aussi avec Bretteville. Oui. Mais tout ça, c'est des éléments très légers. Parce que autant à partir du 16e, il y a des documents. Oui, avant, 15e un petit peu, puis avant. Oui. Comment s'appelait le seigneur de Bretteville? Je sais pas. Non, il n'était pas le seigneur au XIIIe siècle. Au XIIIe, je ne sais pas. Désolé, je ne sais pas. Tu vas chercher là. Oui. Mais si j'ai bien suivi, avant il y avait deux seigneuries, il y avait celle d'Intelli et celle de Fermanville. Alors, bon, je vais faire un petit aparté là-dessus. C'est pas prévu au programme, ça fera l'objet d'une future conférence. Il est plus que probable qu'on ait à l'origine deux proto-paroisses, donc on a un néologisme, Intelli et Fermanville, qui auraient fusionné 11e, 12e siècle. C'est plus que probable, et rien que le fait qu'on ait un texte qui parle de Guillaume d'Intiville et de Corbin de Fermanville, en même temps, déjà il y a deux fiefs. Maintenant, fief, c'est pas paroisse. Mais il est probable même qu'il y a deux paroisses, parce que on a une chapelle des manoirs Saint-Étienne et Sainte-Madeleine, qui sont des titulatures anciennes. On a Martin, qui est aussi une titulature ancienne, mais c'est marqué ancien. Et il faut savoir que le monde de Varlin, c'est le monde des moulins. D'une part, que l'église là où elle est, c'est pas une situation logique pour une église au Moyen-Âge, c'était des marécages ici. Il est probable que l'église était construite ici, je sais pas, 11, 12, 13e, quelque chose comme ça, à un moment du regroupement des deux proto-paroisses. Tout ça, c'est. Mais c'est pas suite au mariage c'est les fiefs. Moi, je parle des paroisses, il y a deux choses différentes. Hein. Parce qu'on a le mont Martin, or c'est l'église Saint-Martin. Et on a une trace d'une chapelle dessus, la chapelle Saint-Cyr, dont on a des traces encore, qu'elle est en ruine au XVIIe. On sait qu'en grâce aux anciens archives de la Manche, c'est la côte H, je ne sais plus combien, qu'en 1463, il est question de la chapelle Saint-Cyr près du village du Tau. Donc il est probable qu'il y ait eu que l'église antérieure de Fermanville était ici. Il faut bien voir que toute la partie centrale de Fermanville, avant que ça soit drainé et assaini, en plein hiver, c'était infranchissable. Là, ici, c'est des marécages, on ne passait pas. Et le passage le plus court, c'était vraiment ici. C'est le moulin. Ici. Et quand on fait attention, on se rend compte que le chemin initial, il est là. Le chemin initial, il est ici. On voit bien parce que là, le chemin coupe le passage. On a un passage qui est coupé par un chemin. Donc, et en fait, contrairement ici, la limite fait toujours la suite. Et on aurait une liaison interparoissiale d'une église à une autre. Mmh.
Donc il y avait probablement deux paroisses. Et après, il y a eu deux fiefs. Et les deux fiefs sont peut-être liés à l'origine à ces deux paroisses. Tout ça, c'est en situation de recherche encore. Hein, mais... Oui ? En dehors du fait d'être propriétaire terrien et de avoir des revenus en fonction des ventes, je pense, de ce qu'ils avaient en exploitation, est-ce que les seigneurs de Fermanville avaient une autre activité, d'autres choses par rapport à la cour, par rapport à l'État, par rapport à des fonctions particulières? Est-ce qu'ils ont une autre chose? Est-ce qu'on a des idées de ce qu'ils... Il n'y a pas de traçage archivistique. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas. Hein. Il n'y a pas de traçage archivistique. Il n'y a pas d'informations qui recevaient l'argent alors, de telle fonction. Alors, à ce jour, encore une fois, et puis dans un an... Oui, non. Hein. Oui, à Valogne, il y avait quand même beaucoup de... Il y avait peut-être des liens avec des gens de Valogne qui avaient des fonctions assez dépassées. Peut-être qu'ils étaient aussi... de connaissances ou de travail avec ce genre de... On sait que Pierre David, celui qui a assassiné le mari de sa maîtresse, lui, il avait de l'argent. Hein. Il avait des contacts à trop placés. Pour le reste, peut-être, mais... L'armée. Les capitaines de vaisseau, ils étaient eux, ils étaient de cette famille-là. Hein. David. C'est David-là. En fait. Oui. Oui. Et oui. Je me souviens plus, dans tous les Pirou. Il y a une fille, Pierrot, qui est mariée, je ne sais plus qui, et qui habite au château de Maupertuis, parce que c'est mes ancêtres. Oui, parce que... C'est la seule fille. Il y avait trois sœurs. Une qui habite à Maupertuis, une à Godeville, une à Fermanville. C'est Catherine de Pierrot qui est mariée et qui est au château de Maupertuis. Non, Fermanville. Fermanville. Catherine de Fermanville, et il y a deux autres sœurs. Ils sont au château de Maupertuis, et bon, après, ils sont dans la halle. Et puis, l'autre question, à un moment, tu as parlé... Alors, Catherine, avec Catherine Fermanville, Charlotte, mariée avec Jean Jallot. Ah, voilà, Charlotte. Voilà, et Jeanne. C'est Charlotte. Et Jeanne, c'est pour Maupertuis. Voilà. Il y a trois sœurs. Mais ce sont ça, c'est dans le. C'est dans Drouet, ça. C'est là-dedans. Et Charlotte, d'accord avec toi. Et laquelle qui est mariée. De Gigot Delfond est mariée avec lequel? Avec Pierre David. Pierre David, ça peut m'arrêter. Oui. Comment Pierre David fait pour gagner tout son argent? Je ne sais pas. Je n'ai pas de recette donnée. Il faut se rendre. Bonne question, oui. Il doit avoir les offices. Il avait quand même des capitules. Je ne sais pas ce qui. Je sais pas. Il doit avoir des fiefs, sans doute. Je ne suis pas aisément pour répondre. Donc, bien sûr. Pendant qu'il faut que je marque. Dès Pierre David, il y avait de nombreux fiefs. Ouais. Et par là, pour répondre. Mais c'est qu'il y avait. Il y a les récoltes. Et puis il y a des moulins, etc. Puisqu'il était à la cour de Grange, hein. On va le reprendre aussi. On a fait du port aussi. Ces deux enfants, ce sont des enfants avec Gigot ou avec Marianne? Il y en a eu un sommet, il y a plus que ça, hein. Je n'ai que deux noms, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Ouais. Ouais. Il y a 200 d'agents de mariage, il y a un seul. Gigot. Oui, bah, beaucoup plus. Il y en a bien, de mémoire, j'irai bien 7-8. Hein. Oui, bien ça, oui. Ça, oui. Là, je vais calculer le simple, sinon ça va prendre des proportions pas possibles. Oui. Donc nos deux premiers seigneurs, ce sont des Normands qui sont échoués, qui ont atterri, qui ont défriché la terre. Alors, quel seigneur? On pourrait dire que... Ils n'étaient pas seigneurs. Je dirais propriétaire du domaine. Non. Oui, précis. Propriétaire terrien. Propriétaire du domaine. À ma tour de mille avant, c'était un des domaines gallo-romains qui étaient là, où c'était toute pièce. Après, bon, là, on n'a rien. On a pas, mais enfin, en tout cas, il y a Eustein et puis Fermann qui arrivent là. Qui arrivent, mais c'est par bah, terre, bah, bah, c'est, bah, c'est les Vikings, c'est scandinave. Hein. Voilà, donc, grosso modo, c'est fin 9e, début 10e, quelque chose comme ça. Quoi. Je pense au livre de Bernard Potier, qui, Le Temps des Seigneurs, oui. Qui, est-ce que c'est réaliste? Non, c'est romancé. Il s'appuie sur... Il s'appuie sur quelques éléments historiques, c'est romancé. Moi je lui en ai transmis, d'accord. Mais après il romance et il fait son oui, livre avec... ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelques éléments, mais il ne faut pas l'utiliser quand même comme un document pur. Non, absolument, mais c'est intéressant, ça permet de passer... Dans l'échouage du bateau... Quand on n'est pas programmé, de passer de là, après, à voilà.
c'est volontaire aussi. Hein. Il ne faut pas échouer en disant on va s'installer ici. Oui, non, enfin là, dans son roman, c'est, voilà, c'est la tempête qui fait. Sûr, voilà. Après, ils se sont installés. Enfin, ils se sont installés, ils ont créé. Enfin, sachant qu'actuellement, nos recherches s'attaquent voilà, aux époques du 11, 12, 13e, c'est là le. On attaque, et je suis encore au téléphone avant-hier avec Julien Dé là-dessus. Bon, c'est là-dessus qu'on travaille maintenant. Ça n'empêche pas de collecter des données, des éléments pour les époques suivantes, mais c'est ce moment que. Monsieur Le Marchand, oui. Mais à part Einstein et Fermat, oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres, des propriétaires? Ah, bah, sur Fermatville, non, parce qu'il n'y a pas d'autres villas, mais il y en a tout de la côte. Hein. Oui. C'est marqué ville. Retteville, Néville, Goupertville, Valcourville, il y a partout. Hein. Il y avait des habitants, mais on ne sait pas ce que c'est. Ah oui, oui. Des milliers de nombre d'habitants à Fermonville, en fonction des différentes périodes. À cette époque-là, ça se chiffrait. J'ai fait une démographie, mais je l'ai Drouet, Fermonville, t'as les feux au début. Non, non, mais il n'y a pas d'idée particulière. Je sais qu'au maxi, c'était vers 1850, il y avait 2200 habitants. Mais en grosso modo, on peut estimer que jusqu'à la peste noire, la population était assez importante. Alors, il y a un document qui peut me le faire, c'est la taxe de. La taxe du 12e. Fouache. Non, il paye en fonction de feu. Là. C'est un annexe au plus petit com. Bref, il y a un impôt qui est payé par feu et on a une estimation comme ça de la population 12e. Une estimation globale. Surtout, c'est on peut bien comparer par rapport aux autres paroisses à l'époque et on se rend compte que, en gros, Saint-Pierre-Église, à cette époque-là, c'était un petit village plus autre. Hein. Et la population, oui, après la peste noire, ça a chuté. Oui, j'ai fait une étude dans des bulletins municipaux il y a 2-3 ans, mais je n'ai pas, sous les yeux, je n'ai pas la bêtise. Il y avait une abbaye, là, je ne sais plus à quel endroit, au priori. À Néville. Le priori de Néville, qui a été détruit pour un garde de 100 ans. Mais là, ce n'est pas détruit à cause de la peste, mais à cause. Mais la chute de la population, c'est en premier lieu lié à la peste. Hein. La guerre, par-dessus, ça n'arrange pas les choses. Mais c'est surtout la peste qui éradique. Bah, imaginons ici que dans deux mois, tous ces gens-là sont morts, par exemple. Pour l'inverse, voilà. Non, mais ça donne ça, quoi. C'est ça l'idée. Non, mais c'est ça, c'est terrifiant, quoi. La moitié, boum. Il y avait des maladreries, dans le coin. Oui, il y en a une à Téville. À Coubille, il y a des traces toponymiques aussi à Coubille. Dans un coin, il y a aussi Montfarville, il y en a à Milan-Serre. Néville aussi. Néville, oui. Oui. À mon avis, il n'y en avait pas mal, parce que dans la Hague, je suis en train d'en trouver. Rien que partir de la toponymie, on trouve les traces. On trouve les traces. Donc voilà. D'autres questions ? J'ai une question qu'on va trancher un bond dans le temps. Les terres achetées par M. Boissière sur le plan, ça correspond à quoi ? Alors en fait, c'est plus la famille seigneuriale qui a les terres après la Révolution, mais c'est M. Boissière qui a acheté les terres de l'ancienne seigneurie, enfin une grande partie. D'accord. On sait ce qu'il achète, c'était une partie du domaine non fiefé de la seigneurie d'avant la Révolution. D'accord. Mais ça, c'est pas complet, parce qu'il y a des terres qu'on a vu entre temps et on ne sait pas. La solution après, c'est de reprendre tous les registres notariaux et toutes les mentions de terres, une par une, pour les placer. Mais là, il est nouveau. Mais ce qu'on a à voir, c'est que ce qui reste, c'est pas au hasard, quoi. C'est des endroits qui ont un rôle économique. C'est le port, c'est les salines, c'est les œuvres et les moulins, enfin, les prêts. C'est des endroits importants, mais stratégiques. Et Avis, c'était originaire d'où ? Avis de Turqueville. Turqueville. Les Davis, Sorteville et Gourbéville. Les Baroques, Vieville et Yéville. Et Pirou, Montinchon et Orgouane. Oui. Turqueville, ça va être. Turqueville, c'est dans ces coins-là. Ça touche Saint-Pierre-Église. C'est par ici. Pareil, Yéville aussi. Pareil, Yéville, c'est dans les Maries. Voilà. Saint-Pierre-Ville et Copenhague-Ville. Ah, c'est des mariages, hein, il y avait des nobles à marier, donc ils se mariaient entre eux. Hein. Oui. Ils se mariaient entre eux. Pas se manger. Hein.
Je reviens sur la question du port, là, parce que oui. Ça me laisse dire que le fait que l'origine du port date du XVIIe. Le premier port. Quand on sait que l'occupation gallo-romaine était déjà... Attention, là, je parle de la période du Moyen-Âge. Ouais, alors, à l'époque romaine... Il existait forcément un port auparavant, non? On dit, il y a des éléments qui font penser à qu'il y avait un port. Maintenant, port en tour, pas des chouages, c'est autre chose. Ouais, ouais. Il y a des éléments qui disent qu'il y a un port, alors pas des gens qui copient. Alors, parce que là, des articles disaient, au 19e, il est possible qu'il y ait un port à tel endroit. Et après, le port était à tel endroit. Non, pas pareil. D'une part, il y avait un vicus gallo-romain, dont on voit les traces actuelles par ici. Là, ici, dans ce chemin-là, ici, on trouve des morceaux de tuiles romaines d'un côté, par là, il y en a partout, tout ce coin-là. Deuxièmement, on a le vent antique à l'Aulna, c'est jusqu'à Cap-Lévy. Oui. Il y a un petit tronçon qui manque encore, et puis on a plus loin une toponymie, on a des petits points. On le connaît, le chemin de la liaison entre l'Aulna et puis Clermont-Ville. À les endroits, il y a des. Alors, c'est une chose de la toponymie, hein. Mais les endroits, c'est cohérent, quoi. Il serait où? Fermanville, il y a un morceau qui existe toujours, hein, Fermanville. Hein. Là, je suis à l'Évalier. Dans l'Évalier, il y a un parallèle. Là, ici, là, il y a si vous voulez, il y a un morceau. Il est toujours en place, hein, ici. Hein. Ça s'appelle comment? La chasse d'Évalier. Il y a un petit morceau qui fait. Ça fait de long, ou un quart de long, qui. C'est la chasse des Valmiers. Valmiers, oui. Je connais les galets. Dans la partie du monde. Ouais. Alors, ça, qui fait qu'il est plausible qu'il y ait un port à l'époque romaine. Mais tant que c'est pas fouillé, on peut pas assurer. Mais... Bon, le contraire, c'est étonnant, quoi. Donc, voilà. Mais je reste prudent à celui-là, hein. Prudence, hein. Ça sent pas cher, s'il a pu disparaître au Moyen Âge. Parce que récemment, sur le site de l'ONA, on a trouvé le branchement où il y a une bifurcation des deux voies. Une qui part vers l'ouest et une qui part vers le nord. Voilà. C'est pour ça que je reste prudent, c'est plausible. Ouais. Mais tant qu'il y a une fouille, on ne peut rien dire. C'est pour ça que de dire que le port existe depuis le 17e. Il y a une trace archivistique. Ouais. Avant, c'est plausible. Sachant qu'il y a aussi le roi d'Angleterre, Henri II, qui débarque en 1177. Ouais. Il arrive là. Ouais. Alors, il n'y a pas forcément de port en dur, mais le lieu est connu. Il va débarquer au hasard là. Et s'il débarque là, c'est qu'il sait qu'il y a une route qui permet d'aller vers Bavagne. Il a débarqué où exactement? Sur le site du port actuel. Cap-Lévy. Parce que Cap-Lévy, c'est pas la pointe, hein. Je rappelle une première fois. Hein. C'est pas la pointe, le Cap. Hein. D'ailleurs, il faudrait plutôt le Cap-Lévy plutôt. Pas plus pareil. Cap-Lévy. Alors Cap-Lévy. C'est quoi la nuance? Bah parce que cette modifié, le mot Cap-Lévy est venu Cap-Lévy en deux mots et on a mis à la pointe. Parce qu'en fait, la toponymie, il y a deux toponymies, deux origines possibles. Celle qui a été connue surtout grâce à M. Le Pellet, Cap-Lévic. Ouais. Enfin, un peu tu viens, c'est pas grave. Donc, soit Capelle Vic, donc le Vic, un Vic c'est un place d'échouage, mais il y a partout sur la côte, il y a partout. Capelle de la chapelle. L'autre facilité, qui est évoquée d'ailleurs dans la dernière numéro de notre revue. Le numéro 5. Voilà. Et donc là, c'est un peu Capal Vic. Alors, toujours Vic, c'est Vic, le problème. Mais Capal, c'est plutôt cheval. Mais pas cheval au sens de l'animal. Le côté allégorique, la mer, les remous, les vagues. Et quand on voit que c'est orienté plein ouest, c'est cohérent. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est cohérent. L'hypothèse est cohérente. C'est toi qu'il faut aller voir. Oui, c'est Pascal qui a émis l'hypothèse. Et qui tient route. Oui, on trouve des mentions de Capal dans les manuscrits islandais du XIIe siècle. Ah oui. Donc on a des possibilités de penser qu'on n'est pas sur la chapelle, mais que ce sont les moines du XIIe qui ont écrit Capel, Vic, et qui ont pensé que c'était de la chapelle. Mais c'est plutôt quelque chose qui est plus profane que ça, et ça peut être les chevaux de la mer,
puisqu'il y a des courants, et puisque les Vikings donnaient des noms aux anses, au coin, ouais, de la mer. Donc ça reste cohérent. Mmh. Et il n'y a pas loin aussi une anse qui s'appelle Sylvie, je crois, ou c'est-à-dire l'anse de argenté, d'argent, non, donc on aurait la même. À côté, il est parti, il s'appelle Sylbec. Voilà, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Ruisseau, et Sylvie. Sylvie. En allemand, Silber en allemand, ou Silber en anglais, l'argent. Et quand ça se couche, c'est cohérent, quoi. Voilà. Une cohérence. Et Biroc, ça vient d'où alors? C'est à la pointe, Biroc. Hein. Oui, c'est à la pointe. Par contre, là, j'ai pas travaillé là-dessus. Il y en a un voir, là. J'ai pas travaillé là-dessus. Oui, concernant l'hypothèse de la chapelle, vers 1999, par là, j'avais pratiqué des fouilles pour trouver les traces de chapelle dirigées par Gérard Vigrin. Mm-hmm. Laurence était là aussi, mm-hmm, et on a trouvé des choses, mais pas de la chapelle. Mais des traces de datation, et par là, de la tulle romaine, alors, en quantité. Parce qu'on a des grands vraiment un petit vicus. Ouais. Mais de chapelle, rien. Qu'est-ce que vous appelez le vicus? Du coup, c'est un petit village, quoi. D'accord. Un petit village romain, un petit vicus. Mmh. Oui. Et combien il y a de livres que vous avez lus, que tu vois. Les livres de Génial 50, la première. Ah, les revues. Demandez monsieur, là, c'est président. Nous avons édité 6 revues pour l'instant. Attends, le jeu, je vais faire un dernier 2. Tout sur une table. Et ceux qui parlent de Fermanville principalement, ça doit être, oui, le 3 sur la vallée, oui, des Moulins et le 5 sur l'histoire de Capelleville. Ils les aiment. D'accord. Donc voilà, je ne vais pas rien oublier, je vais faire rapidement. En parlant de la position du port, quand les Flamands viennent faire du commerce sur le nord cotentin vers Cherbourg, c'est pas qu'ils sont beaucoup plus idéataristes, beaucoup plus à l'ouest, hein, du côté de Tour la Ville, on ne parle jamais du côté de Fermanville. À quelle époque? Non. À quelle époque? 1200, 1300. Surtout des Flamands, c'est un peu plus tard, parce que juste à manger du Paris, parle de navires flamands qui étaient à Capelleville, donc il y avait des aspirations. Oui, mais c'est plus tardif, ça. Ça, je ne peux pas oublier. Oui. À la fac, il y a un prof, Christophe Marcheteau, qui est en géographie, était un spécialiste, et justement, de tout ce trafic maritime, il avait fait une conférence il y a 2 ans à Valogne sur tout le trafic maritime entre la Haute-Normandie, c'était surtout la Haute-Normandie. Christophe Manœuvrier. Oui, Christophe Manœuvrier. Et entre la Haute-Normandie, où partaient les bateaux, pour aller jusqu'en Afrique, et les étapes qu'ils faisaient dans le Cotentin. Alors, c'était passionnant. Je l'ai recoincé à la fac il y a quelques mois, je lui ai dit que je devrais l'étudier. Il m'a dit oui, ça doit venir, mais j'ai pas le temps. Bon, mais je vous dis, c'est vraiment un spécialiste, il est arrivé à trouver ses écrits. Vous connaissez peut-être, non? Parce qu'il parle des ports de Saint-Va et Barfleur, parce que c'était le début d'un trafic négrier qu'on ne connaît pas au XIVe ni au XVe siècle, et avec des étapes, et c'est pour ça que je découvre des choses dans la Hague, et je pense que c'est lié à tout ce trafic maritime, mais bon, encore beaucoup de choses à découvrir. Il a fait une conférence à Saint-Lô il y a très peu de temps, hein, sur ce thème-là. Eh ben, c'était la même sûrement que je prenais, alors si c'était oui, le fini, c'était la même chose. Je pense que l'on dit oui. Une petite question, on va voir. C'est une question historique. C'est ça que je dis. Là, on commence en 1336. Qui était roi en 1336? Qui était roi en 1336. Donc, il y a des choses. 1336. C'est Philippe VI. Philippe VI, peut-être. Jean II. C'est 6 et 6 ou c'est Philippe de Valois? C'est son père, donc Jean II. Bonne réponse, Didier. Bonne réponse. Un point. En quelle année, 1300? 36. C'est juste avant la guerre. Philippe VI, mais c'est le fils de Philippe le Bel. Non, Charles VI qui est. Charles VI et son père, c'est Jean II. Le c'est le prédécesseur. Et
signé les premiers édits et qu'on s'en a travaillé plus. On a mon hôtesse, 1612. 1612 Henri IV, non? Ah non, non, c'est Henri IV. C'est pas Henri IV, c'est son fils qui appelle. Alors 1612, c'est pas Henri IV, c'est son fils. Comment il s'appelle le fils Henri IV? Louis XIII, bonne réponse. Et après, je ne sais pas comment voir. C'est qui après Louis XIII? Louis XIV. Oui, ensuite. Napoléon. Ah non, c'est pas le grand Louis XV. Louis XVI. Louis XVI. C'est bien gentil. Alors, il m'a hypo celui-là aussi, t'es joli. Ouais. Louis XVI et Napoléon. Un chien. Bon, d'autres questions? Bon, encore une fois, c'est que l'état de connaissance aujourd'hui, hein, c'est en pleine évolution. Hein, c'est encore c'est un peu brouillon. Donc vous revenez dans 50 ans et on aura découvert. 50 ans, j'espère. Peu juste. Bon, bravo. Par contre, je pense que dans 50 ans. Oui, dans 50 ans. Mais